Vous avez du feu? Bien sûr. Merci. Allô, oui? Bonjour, John. Je voulais seulement savoir si vous étiez réveillé. Très drôle. Trêve de plaisanterie. L'homme en question est Anderson, mais la fille est sûrement une nouvelle recrue. J'ai la liste de tous les locataires de la maison, mais ils sont au-dessus de tout soupçon. Il est vraisemblable que la fille n'a transmis la marchandise à aucun d'eux. Est-ce qu'on leur met le grappin dessus? Non, non, on risquerait de cette manière de n'arrêter qu'une demi-douzaine de comparses, et ce qui importe avant tout, c'est de remonter à la source et de neutraliser les chefs. Et vous vous contentez de les surveiller? C'est ça même. Très bien, alors bonne chance. Ah, pendant que je vous tiens. Si vous voyez que son horoscope lui prédit un voyage à destination de l'étranger, prévenez l'administration de préparer une valise. Pour moi, et d'y ajouter une canne à pêche. C'est déjà prêt, mon cher, je connais mon métier. Je vous la ferai porter dans un petit quart d'heure. Conduisez Madame Ossette. Monsieur? Bonsoir, madame. Je voudrais une chambre. Pour combien de temps? Pour 2 ou 3 jours. Je vais regarder ça. Merci. J'aurai le 3. Veuillez remplir votre fiche. Merci. Je vous la rendrai tout à l'heure. Conduisez monsieur au 3. Bien, madame. Par ici, monsieur. Monsieur? Whisky, je vous prie. Ah, ce n'est pas pour vous, monsieur. Elle est professeure, elle vient de Nice, le genre sérieux, une intellectuelle. Vous connaissez la région, monsieur? Oui, j'en connais fort bien les produits, mais je n'ai jamais eu jusqu'à présent l'occasion d'y venir. Peut-on visiter les vignobles? Non, les visiter, c'est facile, mais en repartir, ça l'est beaucoup moins. Mais pourquoi ça? Ce qu'il faut, c'est ne pas avaler les 10 premiers verres que l'on vous offre. Ah, bonsoir, mon vieux. Mes hommages à votre femme. Comment ça va? Pas trop mal. Merci. Eh bien, tant mieux. Tenez-moi ça un instant. Pierre, ravi de vous voir à Jean. Bonsoir, monsieur. Monsieur Drake, citoyen anglais. Vous êtes anglais, mais chaque dimanche, je rends grâce
au ciel que les Anglais apprécient nos Bourgognes presque autant que nous apprécions la bière également. La bière, bah, une demi-pinte de Piter, une pinte de Pellel, mais que signifie ce langage? Mais Chambol, Musigny, Gevrey, Chambertin, Montrachet, Mâcon, Pomarne, Huit Saint-Georges. Jamais Shakespeare n'a rien écrit d'aussi poétique. Je vous offre un bon verre non, de vin. Non, non, merci. Ah, si, 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 j'insiste. Mais je bois du whisky. Oh, vous êtes un traître, monsieur Drake. Venir en Bourgogne pour boire du whisky? Oh, oui, on a guillotiné des hommes pour moins que ça. D'accord, je prendrai un verre de vin. Ah, du Chambertin, du 57. Avez-vous fait bon voyage, monsieur Drake? Excellent, je vous remercie. À quelle heure passe-t-on à table, s'il vous plaît? Tout à l'heure. Ah, merci, Pierre. Et quand, tout à l'heure? Je vais demander à madame. Oh, ne la dérangez pas, j'attendrai. Prendrez-vous l'apéritif? Qu'est-ce que vous avez comme jus de fruits? Allez. Eh bien, pas mauvais du tout. Comment ça, pas mauvais? Mais sachez, mon ami, que l'amour d'une jolie femme ne peut se comparer à un Chambertin 57. Vous aimez beaucoup le vin. Si je l'aime. Ah, si je l'aime. Mais autant demander à Faust s'il aimait sa Marguerite. Il faut que je vous dise, je suis ce qu'on appelle un négociant. J'achète les vins chez le vigneron et je les revends à la consommation. Ça doit être un métier agréable. Il m'arrive de trouver des crus extraordinaires. Encore un peu de café, mademoiselle? Oui, très volontiers. Assez, merci. Un peu de café? Non, merci. Du café, monsieur? Non, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle John Drake. Le serveur m'a dit que vous étiez professeur. C'est exact, oui. Qu'est-ce que vous enseignez? L'italien. Mais c'est très intéressant. Justement, je ne suis jamais arrivé à apprendre plus de 4 mots. Avec un bon professeur, on peut faire des progrès rapides. Je n'en doute pas. Eh bien, bonsoir, signora. Signorina. Ma première leçon. Qui est là? Mais je n'ai pas dit entrer. Ah, excusez-moi. J'avais cru. Ah, doucement. N'appuyez pas sur la gâchette. Le bruit me donne des maux de tête. Si vous cherchez une aventure facile, je ne suis pas celle que vous croyez. Et je ne suis pas celui que vous croyez. Si vous ne sortez pas, j'appelle la police. Si vous voulez, je suppose que 10 ans dans une prison française, ça vaut 10 ans dans une prison anglaise. Comment? Mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous verrez comme la vie en prison est passionnante. Debout à 6 heures, un plat de bouillie d'avoine, une bonne journée d'atelier et dans un bon lit à 8 heures. Est-ce que vous êtes ivre? Ils ont essayé en bas, mais ils n'y ont pas réussi. Si nous avions tous les deux une petite conversation. À quel sujet, je vous prie? Des laveries automatiques. Vous voyez, j'ai tout de même réussi à attirer votre attention. Une minute, j'ai cru qu'il faudrait que je me serve de certains moyens que j'aurais pu utiliser avec les femmes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Alors, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois dans un établissement d'armement expérimental et ultra secret à Boscombe Down, dans le Wiltshire, où l'on étudiait certaines questions pouvant intéresser certaines nations, un ingénieur nommé Morrison. Une certaine nuit, il photographia des documents. Il plaça la pellicule sous le 3e poteau indicateur sur le côté droit de la route d'Amesbury à Andover. Elle fut recueillie par un nommé Claude Bertrand, qui la posta à l'adresse d'une officine de presse à Harrow Road. L'enveloppe fut ramassée par un nommé Mason et déposée dans un casier de consigne automatique à la station de chemin de fer souterrain de Leicester Square. La clé fut expédiée à un nommé Anderson. Avant-hier, la pellicule fut recueillie et hier soir, M. Anderson décida de laver son linge dans une laverie de Notting Hill Gate. Elle est dans mon sac. Merci. Je ne plaisantais pas en vous disant que ça pourrait vous coûter 10 ans de prison. Les juges n'ont jamais montré beaucoup d'indulgence pour les traîtres. Mais je n'ai pas trahi, je vous le jure. C'est ce qu'il faudra démontrer. Dans les confettis. Dans l'une de ces petites choses. Très fort. Comment en êtes-vous arrivé là? J'ai fait sa connaissance pendant une soirée. Je l'avais cru sincère. C'est allé un peu trop loin
Et puis un jour, il m'a montré des photos prises en cachette dans son appartement où je croyais me trouver seule avec lui. Et il m'a dit que si je ne voulais pas remettre un paquet pour il lui... Il les montrerait à vos parents, etc., etc. C'est bien ça, n'est-ce pas? Et à qui devez-vous le remettre? Il y a une visite organisée demain chez les vignerons, dans l'un des vignobles, celui de, du château Eugénie-les-Forges. Il y a une grande table dans le vestibule. Je dois y déposer mon sac pendant l'exposé du guide. Et une femme doit l'échanger contre un sac semblable. Ensuite, je repartirai pour Londres. Combien vous paye-t-on? On m'a offert 500 dollars. Je les trouverai dans mon sac. On va m'envoyer en prison? Pas si vous faites ce que je vous dirai. Oh, je le ferai, je vous le jure. Nous allons remettre le paquet dans le sac. Vous irez demain visiter les vignobles. Ne vous étonnez pas de m'y voir. Et n'oubliez surtout pas votre sac, parce que je ne vous quitterai pas de l'œil une seconde. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Tout le monde est là? Oui. Oh, pas de cigarette, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. Je vous demande surtout de ne pas vous disperser. Restez bien groupés. Merci d'avance. Ah, mon ami, ce traître, hein? Bonjour, monsieur Lamaze. Mais je croyais que vous aviez été guillotiné. Votre pourvoi a été rejeté. Soyez brave. Qu'est-ce que vous faites parmi cette foule? Je n'avais jamais visité de vignoble. Et ça, c'est pour les touristes. Je m'occupe de questions touristiques moi-même. Vous devez vous y connaître mieux que ça, alors. La propriétaire de l'endroit n'est pas digne de vous. Savez-vous ce qu'elle a voulu faire? Elle a tenté de me vendre des vins tout juste bons à assaisonner la salade. Mais vous allez m'excuser, mes affaires m'appellent. Oui, je vous en prie, je vais continuer la visite. Écoutez, je passe très souvent prendre l'apéritif au Grand Hôtel, mais il est possible que je n'y passe pas ce soir. Tenez, donnez-moi donc un coup de fil. C'est très gentil à vous. Mais voyons, mon cher, c'est bien la moindre des choses. Je vous remercie encore. Nous sommes dans la partie la plus ancienne du château. À sa construction, au XIIe siècle, elle servait de salle de garde. Sur la cheminée, le blason des comtes de Dresson. Ils étaient apparentés à la famille de Frédéric Barberousse. Vous voulez me suivre? Monsieur, par ici. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Par ici, s'il vous plaît. La jeune fille. Jeune fille? Il n'y a pas de jeune fille ici, monsieur. Et que signifie cette intrusion? Excusez-moi, madame. Qu'en France, nous ne souscrivions pas à vos théories anglaises disant qu'un homme est innocent tant qu'il n'est pas reconnu coupable, je peux vous assurer que vous serez très équitablement jugé.
Je ne tiens pas à passer en jugement du tout, je vous remercie. Je n'ai pas tué Mademoiselle Martin. Vous n'avez pas le droit de me garder prisonnier. Monsieur Drake, si vous êtes innocent, soyez assuré que liberté, égalité et fraternité ne sont pas des mots vides de sens. Mais laissez-moi vous rappeler les circonstances. Voyons, voyons. On vous a vu sortir de la chambre de cette jeune femme à une heure bien tardive dans la soirée d'hier. Oui, j'étais allé lui parler. Bien sûr, lui parler. Je comprends. Et ne craignez rien. Aucun tribunal en France ne vous en tiendra rigueur. Et ce matin, vous volez une bicyclette devant le château Eugénie Lesforges. Ensuite, vous avez terrorisé cette pauvre Madame Levallois, dont le frère a été le maire de notre commune pendant 25 ans. Quelqu'un venait de voler le sac à main de Mademoiselle Martin et j'ai voulu essayer de rattraper le voleur. Ce même sac à main où la femme de chambre vous a vu prendre de l'argent, n'est-ce pas? Il y avait deux sacs à main de même modèle. Ah, oui. Et j'ai... Il y a autre chose, c'est que vos empreintes figurent sur ce pistolet. Et je vous avoue que je n'ai pas les moyens sur place de déterminer si c'est bien celui avec lequel le crime a été commis. Je demande depuis des années au ministère de l'Intérieur de doter notre région de son propre service d'identification judiciaire, mais vous connaissez les terribles lenteurs administratives. Bon, je vous reverrai un peu plus tard. Vous direz à Georges ce que vous voulez manger et il vous apportera ce qu'il faut. Et voilà. J'en ai eu pour 9 francs, 20 compris, monsieur. Et j'ai pris la liberté de vous apporter un second verre en cas de besoin. Merci, vous êtes très gentil. Voulez-vous y goûter? Oh, c'est extrêmement aimable, monsieur. Eh bien, à votre bonne santé. À votre santé. Vous ne croyez pas que... Désolé, monsieur. Mais ne vous faites pas trop de soucis. Nous sommes assez indulgents pour les crimes passionnels dans notre pays. Il est bien sûr dommage que vous ayez pris l'argent. Les juges sont rarement tendres pour ceux qui prennent l'argent des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Vous n'avez pas de guillotine en Angleterre, monsieur? Non. Oh, c'est la plus civilisée des méthodes d'exécution capitale. Pas de souffrance. Vous êtes en train de dormir dans votre cellule lorsque soudain, deux gardiens sur la pointe des pieds entrent chez vous. Vous avez tout juste le temps d'ouvrir l'œil qu'ils vous ont entraîné devant le directeur de la prison. Votre pourvoi a été rejeté, dit-il. Soyez brave. Alors on vous offre une cigarette et un petit verre de rhum. Oh, l'aumônier est là, lui aussi. Il est toujours temps pour se repentir, mais pas pour vous échapper. Les aides du bourreau se saisissent de vous, quelques marches à monter, vous êtes sur la guillotine et on vous allonge sous la lunette. Et... Oui. Vous n'avez même pas le temps de voir ce qui vous arrive, que la tête est déjà dans le panier. Excusez-moi de venir chez vous à une heure pareille, mais vous êtes la seule personne qui puissiez faire quelque chose pour moi. Monsieur Drake, si vous me donnez votre parole d'honneur que vous n'avez rien à voir dans le meurtre de cette jeune Anglaise... Je ne l'ai pas tuée. Oui. Oui, je crois que vous êtes innocent. Dans mon métier, on fait faillite à coup sûr si l'on n'est pas aussi un excellent connaisseur en homme. Merci. Je souhaite que votre officier de police soit aussi bon connaisseur que vous. Oh, allons, il faut pardonner à ce pauvre Louis. Il n'a eu aucun meurtre à se mettre sous la dent depuis... Oh, pardon. Depuis l'année 1947, je crois bien. Et c'est devenu chez lui une sorte d'idée fixe. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais contacter certaines personnes à Londres susceptibles d'arranger mes affaires. Je peux me servir du téléphone? Bien sûr. Je vous remercie. Attendez, je pense à une chose brusquement. Nous ne sommes pas reliés au réseau automatique, il faut demander la communication. Et aussitôt que votre évasion va être découverte, si on la prend à la poste, et que l'on remarque votre appel pour Londres, ça risque d'attirer les soupçons sur moi. Vous ne voulez pas m'attirer d'ennui, monsieur Drake? Je n'y avais pas réfléchi.
Est-ce que vous avez mangé? Mon repas s'est trouvé interrompu. Eh bien, dans ce cas, voulez-vous partager le mien? Nous tâcherons en mangeant de trouver la solution de votre problème. Oh, vous êtes raisonnable. Alors, soyez raisonnable. Il vous est impossible de faire quoi que ce soit sans établir un plan d'action. Alors, restez donc avec moi. J'accepte, merci. Je vais prévenir Annette. Est-ce bien nécessaire? Oh, monsieur Drake, soyez sans crainte. J'ai confiance en sa discrétion. Nous allons être servis tout de suite. Et vous êtes un admirateur de Napoléon? Quoi de plus naturel? C'était un grand Français, n'est-ce pas? Le plus grand, sans doute. Pourquoi ce sourire? Je ne voudrais surtout pas me montrer impoli, mais on prétend que les fervents admirateurs de votre grand empereur sont pour la plupart des gens inadaptés. Et pourtant, vous ne donnez pas du tout l'impression de l'être. Ah. Vous êtes très franc, monsieur Drake. Et j'ose espérer que vous êtes un bon connaisseur en homme, vous aussi. Un peu de vin? Oui, très volontiers. Entrez. Merci, Annette. Voulez-vous vous asseoir, monsieur Drake? Voyez-vous, s'il vivait de nos jours, je me demande ce qu'il serait. Qui donc? Et Napoléon. Ah, bon, négociant en vin, peut-être. Vous êtes un flatteur, cher ami. Par ici. Il est peut-être entré dans le cellier. Oui, on va y jeter un coup d'œil. Voilà. Surprise, c'est monsieur Drake. Bonsoir. Est-ce que je peux vous déposer quelque part? Mais avec grand plaisir, oui. Voulez-vous prendre le volant? Je dois vous avouer que je conduis plutôt mal la nuit. Volontiers. De quel côté allez-vous? Je rentrerai chez moi, dans ma maison. Ah, je croyais que vous viviez à l'hôtel. Non, je n'y vais que pour prendre mes repas. Mais venez chez moi prendre un verre de vin. Entendu. Roulez tout droit et vous tournerez quand je vous le dirai. D'accord. Eh bien, vous êtes très aimable. Ah, je vous en prie. Je me demande si vous vous rendez compte que la police me recherche pour meurtre. Mais je sais que vous êtes innocent. Ah oui? On dirait que ça vous fait rire. La dernière personne qui me l'a dit, avec le même ton de sincérité, n'a rien eu de plus pressé que de me livrer à la police. Espérons que ce ne sera pas nécessaire. Mais oui, espérons-le.
Vous n'avez rien mangé du tout? Non, mes aventures me rappellent la chanson du tueur affamé. J'espère que vous aimerez mon omelette. L'odeur est délicieuse. Allez vous asseoir. Très volontiers, merci. Pourquoi ne commenceriez-vous pas par le début? Comment? Le début de quoi? Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Bourgogne? Ah, je suis venu y goûter les charmes de l'hospitalité française. Je n'en crois pas un traître mot. Puis-je poser une question? Non. J'aime mieux que vous me parliez d'abord de vous. Eh bien, vous saurez tout de moi quand je vous aurai dit que je m'occupe d'une agence de voyage et que je suis ici pour y étudier les possibilités d'expansion touristique. Comme prise de contact, ça n'est guère réussi. Délicieuse, votre omelette. Qu'êtes-vous venu faire ici? J'étais venu me restaurer, mais je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Tâchez de vous montrer plus compréhensif. Envers qui? Je travaille pour le gouvernement français, je n'ai pas envie d'en dire davantage. Et en supposant que j'ai envie de ne rien vous dire du tout. Gaston, Henri. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs. Gaston et Henri étaient parachutistes en Algérie. Et ils adorent se battre à la moindre occasion. Et vous? Moi, j'adore regarder. Alors dans ce cas, causons. Vous voilà raisonnable. Oui. Leur présence est nécessaire? Alors, depuis combien de temps travaillez-vous pour la MAS? Oh, pas très longtemps. Monsieur Drake, vous auriez grand tort de croire que c'est une conversation à bâton rompu. Je veux des faits et je les veux maintenant. Ou Gaston et Henri vont vous montrer qu'il existe des rapports étroits entre l'eau, l'électricité et la souffrance. Alors, depuis quand travaillez-vous pour la MAS? Eh bien, c'est sans doute assez hardi de ma part de vous demander ça, mais pourrais-je vous poser une question? Une seule et soyez bref. Merci. Je veux bien coopérer pleinement avec vous et Laurel et Hardy. Seulement, me tiendrez-vous réellement compte de ma franchise? Nos informateurs ont toujours été bien traités par mon gouvernement. Je vous remercie d'avoir bien voulu me répondre. Je vous en prie, mais est-ce qu'il y a longtemps que vous travaillez pour la MAS? À vrai dire, je ne l'avais jamais rencontré avant de venir ici. Je travaille dans une agence de voyage, je suis marié. Et un soir où j'étais allé à une fête, j'ai fait connaissance d'une jeune fille et... Enfin, vous devinez la suite. Le coup du photographe, on m'a menacé de montrer les photos à ma femme si je ne collaborais pas, etc., etc. Vous saviez qui ils étaient? J'ai cru tout d'abord que c'était des bandits, mais maintenant que je sais que ce sont des agents d'en face, si Brenda avait eu connaissance des photographies, vous voyez ce que je veux dire, car c'est une fille très sensible, Brenda. Vous n'êtes pas le genre d'homme à vous soucier tellement de ça. Et elle a aussi beaucoup d'argent. Ah, maintenant je comprends. Je me faisais mal à l'idée que vous puissiez tenir compte des sentiments d'une femme. Bien sûr. Enfin bref, j'ai accepté ce qu'il me proposait. Ensuite, je n'ai plus entendu parler d'eux jusqu'à avant-hier, quand j'ai reçu des instructions de me rendre dans une laverie de Notting Hill Gate à Londres, d'y prendre un petit paquet d'un nommé Anderson et de l'apporter ici. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah, ça, je n'en sais rien. On aurait dit des confettis. Des micro-photos, hein? Ah, oui. Comment l'avez-vous transmis à la MAS? Au cours de cette visite organisée au vignoble du château, quand je lui ai serré la main. Pourquoi avez-vous disparu par la suite? À cause d'elle. Elle? La jeune Anglaise? C'est ça, oui. C'était un agent britannique, sans doute? Oui. Oui, elle m'a attiré chez elle sous un faux prétexte et m'a menacé de 10 ans de prison si je ne l'aidais pas. Et qu'avez-vous fait? Bon, rien, je ne l'ai pas cru. Alors, le microfilm que vous avez remis à la MAS est bien le même qu'on vous a donné à Londres? Oui, bien sûr. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux? Mais elle a dit que le paquet contenait des renseignements sur la défense nationale britannique. Oh, monsieur Drake, surtout pas de patriotisme inconsidéré, ça n'est pas de mise, croyez-le. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Il vous reste toujours l'argent de votre femme. Avez-vous l'intention de prévenir les autorités britanniques? Non, je n'en ferai rien. Les services de votre pays sont sans gêne et ils n'ont pas le droit d'envoyer des agents sans nous en informer. Oui, c'est assez déloyal de leur part. Cette fois, c'est aller un peu trop loin. Vous parlez du meurtre de la jeune fille? C'est sûrement un coup malheureux. La MAS l'a probablement repéré. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout votre capture. Alors là, vous me flattez, je suis une personne ordinaire. Comme la plupart des comparses qu'on engage pour ce genre de mission. Ah, ce serait plus passionnant que le métier que je fais, s'il n'y avait pas Henri et Gaston, bien sûr. Je veux que vous retourniez chez la MAS et que vous le persuadiez de collaborer avec nous autres. Vous autres? Ah oui, les Français. Oui. Vous pourrez demeurer 20 minutes seul avec la MAS. Ne croyez pas que vous pourriez nous échapper. Vous surveillerez les lieux. Oui. Gaston et Henri resteront avec moi. Votre existence va dépendre de votre succès. Oui, mais la masse pourrait me tuer. Nous devons encourir le risque. Comment nous?
Non, je veux dire, vous. Votre pourvoi a été rejeté. Soyez brave. Inutile, nous sommes seuls. Nous allons pouvoir causer sans être interrompus. Il faut reconnaître que pour un homme recherché, vous avez du sang-froid. L'exercice auquel je me suis livré me maintient en forme. Quand je vous ai quitté, il m'est arrivé une chose assez amusante. Ah oui? J'ai été arrêté par les services secrets français. Et c'est pour ça que vous êtes ici? Mais le plus curieux, c'est qu'ils m'ont libéré. Vous essayez de m'abuser. C'est ce qu'ils m'ont dit que vous diriez. Vous leur avez parlé, vraiment? Oh, nous avons échangé des propos badins, vous voyez le genre. Je vous le répète, vous voulez m'abuser, monsieur Drake. Si je vous tuais, j'aurais sûrement le droit de mon côté. Comme lorsque vous avez tué la jeune Anglaise. Oui. Pas une seconde, je n'ai cru à votre histoire d'agence de voyage. Pendant que vous étiez absent, j'avais placé des micros dans vos chambres à tous les deux. Après ce que j'ai entendu, je n'avais qu'une solution. Il fallait que je la tue. Et le meilleur moyen de me débarrasser de vous était de vous mettre le crime sur le dos. Il y a un terrible malentendu. Hein? Les services secrets de ce pays semblent persuadés que je travaille pour vous. Et qu'en diriez-vous? Non, 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 je vous remercie. Ah, mais c'est toujours flatteur de se savoir apprécié. Négociant, quelle merveilleuse couverture. Ah oui, pas mauvaise. Je voudrais y avoir pensé. Hey, 20 années d'efforts. Qui n'ont pas été perdus. Je reconnais que bien que vous soyez un représentant de ceux d'en face, vous faites français jusqu'au bout des ongles. Tout le monde s'y laisserait prendre. Merci. Les Français ont bien failli marcher. Failli? Failli. Ça veut dire que je suis brûlé? Oui. Vous voulez un whisky? Ah, les vignerons vont vous faire un mauvais parti. Je préfère avoir affaire à eux plutôt qu'à vos amis. Pas nécessairement. Hmm? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils m'ont envoyé ici pour conclure un marché avec vous. Pourquoi vous? Parce que je travaille pour vous. Mais c'est faux. Oui, alors? C'est vrai, j'oubliais qu'ils le croient, eux. Vous faites des progrès. Et c'est pourquoi ils ont, comme on dit, laissé du fil au poisson. Voilà, de mieux en mieux. Donc, en résumé, les services secrets français croient que toutes les informations que vos services obtiennent en Grande-Bretagne passent par vous. Et naturellement, cela les intéresse, et au plus haut degré. Mais attendu que Français et Britanniques sont alliés, ils ne peuvent pas se les procurer. Et c'est ce qui fait que, messieurs les Français, souhaitent que ce soit moi qui continue mon travail, à condition que je leur fournisse des renseignements. Hein? À part les francs, oui. Et évidemment, je n'ai pas le choix. Il y a une toute petite difficulté. Ah oui? Les Britanniques pourraient ne pas aimer que vous passiez des renseignements aux Français. Pas plus qu'à votre pays, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous travaillez pour les Français, non? Non, je vous ai seulement dit qu'ils croyaient que je travaille pour eux. Non, je crois que le mieux serait encore que vous m'accompagniez jusqu'en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Je suis sûr que vous devez connaître mieux que personne les agents de votre pays qui opèrent chez nous. Et si vous acceptez de nous confier les noms de ceux que vous employez, soyez certain que nous veillerons sur votre sécurité personnelle. Oui, mais j'ai mes habitudes depuis le temps. C'est presque devenu mon pays. Oui, mais vous ne pouvez plus y vivre tranquille, maintenant que vous savez que les autres savent. Vous ne craignez pas qu'ils essaient de vous barrer la route? J'en suis persuadé, seulement il y a peut-être un moyen de forcer le barrage. Qu'est-ce qui vous empêche de pousser la porte et de sortir? Suzanne. Qui est Suzanne? Un professeur d'italien de Nice. Eh oui, en France, les femmes font d'excellents agents secrets. Celle-ci a deux gorilles à son service. Tenez, en voilà un. Il est de taille. Et où est l'autre? Devant l'entrée. Bon, on doit pouvoir les neutraliser. Comment? Je comptais sur vous pour me faire des suggestions. Essayons la bonne vieille méthode du narcotique dans leur verre. Et s'ils n'acceptent pas à boire? Dans ce cas, nous les tuerons. Mais je préfère l'ancienne méthode. Il y a là de quoi les endormir pendant plusieurs heures. Mais il y a un ennui. C'est que je le mets dans le vin que nous allons boire nous aussi.
pour qu'il ne soupçonne rien. Alors faites semblant, mais ne buvez pas. Entendu, je ne boirai pas, je ferai seulement semblant. Ah, c'est un véritable sacrilège que d'agiter un Bourgogne. Servez-leur un vin ordinaire. Voulez-vous me déshonorer? Alors, vous êtes satisfait de vous-même? Il y a longtemps que j'ai appris à mes dépens qu'il ne faut jamais l'être. Eh bien, la séance peut commencer. Vous taisez-vous. Je croyais que nous étions amis. Gaston ne vous aime pas beaucoup. Ah, vraiment? Mais je vous avouerai que c'est assez réciproque. Mais peut-être qu'après un verre de vin, tenez, servez-nous nos amis, voulez-vous? Oui, très volontiers. Eh bien, il paraît que vous enseignez l'italien à vos moments perdus, sans doute. J'ai justement affaire... Si nous parlions affaire. Mais à votre guise. Allons donc dans mon bureau. Pourquoi pas ici? Parce qu'il est des questions que je ne veux pas agiter devant mes employés. Hein? D'accord, oui. Gaston et Henri, je vous confie votre nouveau collègue. Bien, puisque nous voilà collègues, encore un peu de cet excellent Bourgogne. C'est une grande année, n'est-ce pas? Un peu trop sucré pour moi. Monsieur Drake vous aura, je l'espère, mis au courant. Exactement. Alors, vous n'avez plus aucune objection à faire? Non, aucune. Tu te rappelles de ce gros levantin qu'on avait interrogé un soir? Bon, il était pas si gros que ça. Eh, t'as raison, je dois confondre avec le type à la motocyclette. On se demande comment il tenait dessus. Il était fermier. Un peu de vin? 36 heures durant, il nous a tenu tête. Et il était comme un taureau qui refuse de mourir. Et pourtant, on peut le dire, on avait tout essayé. Et moi, je lui avais dit qu'entre professionnels, il fallait pas avoir de fausses fiertés. Ni en faire une question personnelle. 36 heures qu'il a tenu. Et il n'a rien avoué. Et il a pas pu. On s'est aperçu qu'on s'était trompé de bonhomme. On gagne pas à tous les coups, hein. Je me demande ce qu'il est devenu. J'aimerais bien le revoir. Ouais, moi aussi. Vous aimez le sucre, monsieur Drake? Attrapez-le. Êtes-vous sûr de ne pas encore vous tromper d'homme? Vous êtes un petit malin, cher monsieur. Dans mes notes, on dit que je suis d'une intelligence moyenne, madame. Veuillez m'excuser, monsieur Drake, mais on m'a persuadé de donner mes informations à ma nouvelle bataille. D'ailleurs, je n'ai jamais pu supporter votre climat. Nous avons pourtant du soleil cet été. Maintenant, écoutez. Cet homme est venu ici pour représenter une agence de voyage anglaise. Il est recherché pour le meurtre d'une compatriote. Il vous demande de le prendre en voiture, et comme vous êtes bon citoyen, que vous vous êtes souvenu du signalement diffusé par la police, vous l'avez conduit tout droit au commissariat le plus proche. C'est bien compris? Compris. Quand ce sera fait, revenez immédiatement ici. S'il essaie de nous échapper. On croirait que c'est la première fois que ça vous arrive. Minute. Allons. Vous me laissiez partir nu-tête et sans manteau. Au revoir. Et merci. Il faut me retrouver cet Anglais, mais le retrouver vite. 25 ans de travail et de sacrifice à la cause de la justice. Et me voilà presque déshonoré par la faute de subordonnés stupides. Il faut qu'on le retrouve. Où est-il? Ah, vous voilà. Ah, vous arrivez bien, vous. Ah, on l'a croisé en voiture, et comme on est merci, bons citoyens... Merci, vous ne savez pas quel service vous brandez. Est-ce qu'on peut s'en aller? Oui, je me charge de lui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai fait fouiller le pays tout entier et qu'on a même fait des battues dans les bois? Oui, j'ai bien peur de vous avoir causé bien du tourment. Bon, oublions ça. Comment pourrais-je jamais m'excuser? Ah, eh bien... J'ai toujours su que vous n'étiez pas un assassin. Vous avez toujours su que je n'étais pas un assassin? Et je l'ai dit tout de suite, n'est-ce pas, Georges? J'ai dit, cet honnête touriste ne peut pas être coupable. N'est-ce pas, Georges? Ah oui, vous avez dit, je me souviens, ce touriste n'est pas plus coupable. Un verre de vin? Je vous remercie. Avec nos excuses, monsieur. Servez-vous, Georges. Bien, chef. Et alors, à la nôtre? Excusez-moi, mais chaque fois qu'on m'offre un verre de vin, ces temps-ci, des hommes se jettent sur moi et m'emmènent. Eh bien, qu'on l'emmène! Je voulais vous demander, en plus de votre intuition, comment avez-vous réellement découvert que je n'étais pas l'assassin? Quand bon Pierre a fait des aveux.
bon Pierre. Il a voulu changer des dollars volés à la jeune Anglaise à Dijon. Imbécile. Avez-vous pu avoir Monsieur Lamage, Georges? Non, chef, ça ne répondait pas. Lamage? Oui, le négociant en vain. Le nommé Bonpierre était son jardinier. Il prétend que Lamage lui a remis des dollars. C'est grotesque. Est-ce que Lamage est au courant des accusations du nommé Bonpierre? Non, il ne sait rien et ce sera pour lui un choc terrible. Oui, je m'en doute. Eh bien, est-ce que je peux disposer? Ben voyons. Et j'espère sans rancune. Sans rancune. Vous pouvez me faire rendre mes affaires? Tout de suite. Georges, qu'est-ce que vous attendez? Allez les chercher, voyons. Elles sont dans votre tiroir, chef. Ah oui, remettez-les lui, alors. Bien, chef. Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Encore un verre de vin, monsieur Drey? Ah non, 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 je vous remercie. Assez de vin comme ça pour aujourd'hui. Le foie, n'est-ce pas? Voilà. Merci, oui, c'est à moi. Oh, est-ce que vous avez ma... Votre... C'est ça, ah. J'ai compris. Voilà, monsieur. Ah, je vous remercie. Vous êtes vraiment très aimable. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous reviendrez en Bourgogne. Avec grand plaisir. Et bon voyage. Merci, au revoir, messieurs. Et il s'assurera que toutes les précautions ont été prises. Mais ce pilote, il est discret? Il a ordre d'obéir aux instructions qui lui seront données. Il vous conduira où vous voudrez. Merci. Eh bien, où en étions-nous déjà? Nous parlions d'Anderson. Ah oui. Eh bien, tous les renseignements aboutissent à lui. Il est le dernier maillon de la chaîne et c'est par son entremise que le courrier m'est transmis. Bon, j'ai donc maintenant la liste complète de vos agents et leurs méthodes.
Gaston. Dès qu'Henri sera rentré du terrain d'aviation, vous porterez ceci à Paris. Si jamais les Anglais savaient ce qu'il y a dedans. Alors, vous conduirez chacun votre tour et ne vous arrêterez surtout pas en route. D'accord. Je vais accompagner Lamaz jusque chez lui pour chercher ses bagages et je le mets dans l'avion. On se retrouve à Paris. Verre de vin.